السلام عليكم. يا جسر الحمد لله. Question de Oum Aminis, Charme. Non, je ne l'ai pas. Suivant. Question de Oum Dirklas, Inch'Allah. Salam alaikum, Sir. Nous aimerions que vous fassiez un cours sur le comportement à avoir envers un savant, car nous sommes choqués par le mauvais comportement que les gens ont envers les savants. Ils vont jusqu'à les reprendre en public, leur montrer leurs omissions ou erreurs par fatigue ou leur parler mal en public. Nous pensons qu'un cours sur le comportement et le respect des gens de science s'impose, car vraiment les gens ne se rendent absolument pas compte de l'immense place d'un savant chez Allah Azza wa Jal. Ils vont jusqu'à dire un tel n'est pas un grand savant, c'est un petit. Subhanallah, anahu, Allahu musta'an. Même si le shir suit le Coran et la Sunna, il se permet de dire ça au lieu de s'en prendre aux gens de la bid'a. Comment garder son calme et ne pas médire ou insulter ce genre de personnes? Nous aimerions que vous fassiez un rappel sur l'humilité dans la science, car certaines personnes savent deux ou trois choses et se gonflent par rapport aux autres, et aussi de nous dire ce qui est mal poli de faire dans la room d'un shir. Allah fait comme shir de nous donner un cours là-dessus, inshallah. Qu'Allah vous protège, shir. Nous vous aimons en Allah. Donc, question anonyme, Charma. Est-ce que vous, la question qui va être posée en anonyme, est-ce que vous m'entendez, Charma? Ok. Chir, j'ai demandé à Rola, entre parenthèses à mes deux maris, il y a environ 6 ans et l'autre, il y a à peu près 2 ans. Ils ne voulaient pas la séparation et comme ils vivaient dans mon appartement, ils ne sont plus revenus. Ensuite, j'écoutais un de vos dors et vous aviez répondu à une sœur qui voulait demander la séparation à son mari et vous lui avez répondu que s'il refusait, elle devait alors voir un juge, si j'ai bien compris. J'avais juste appris à l'époque qu'il fallait leur rendre la dot, d'autant plus que je suis touché de par du cirque pour m'empêcher de vivre une vie conjugale, donc ce qui m'a aussi poussé à demander le khul, l'accord du mari pour le khul, et est-ce que ma séparation avec ses frères est valide? Sinon, que dois-je faire? Jazakumullah khairan. Question de Abu Zakaria, Bruxelles. Assalamu alaikum, Shir. Qu'Allah vous accorde le Firdaus. Amin. Une personne qui travaille dans une usine en équipe, une semaine du matin de 6h à 14h, une semaine d'après-midi de 14h à 22h, sachant qu'elle ratera une fois sur deux un Jumu'a et qu'elle travaillera pendant la prière de Jumu'a, lui est-il permis d'accepter ce travail ou existe-t-il une compensation pour cela? Commet-elle un péché ou pas? Voilà, que l'on fait comme. Et j'en profite pour passer le salam à Zakaria. La question de Wal Asr. Donc le PV est bloqué. Question de Dokour, PV est bloqué. Non, non, je passe à InSpeak, Inch'Allah. Question de Mimouna 2. Salam alaikum, Shir. Voilà une femme veut quitter son mari car il est alcoolique ou ils ont une maison à crédit. Elle veut tout laisser et ne rien emporter avec elle. Doit-elle laisser tous les crédits à son mari? Assalamu alaikum.
Attendez, Afwan, parce que là. Arché, est-ce que tu peux prendre le micro sur une speak ou. En passant, je vais le faire entièrement. Si jamais j'ai un souci, je te fais signe. Donc, Chir, comme là, je n'avais pas le micro sur une speak, je vais répéter la question pour Mimouna 2, Inch'Allah. Question de Mimouna 2. Donc, salam alaikum. Voilà une femme. Elle veut quitter son mari car il est alcoolique. Ils ont une maison à crédit. Elle veut tout laisser, ne rien emporter avec elle. Doit-elle laisser de casse son mari? Salam alaikum. Question de Men 2. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous. Chir, nous savons tous que notre communauté doit ordonner le bien et condamner le mal. Comment le faire lorsqu'une de la famille très proche ne prie pas et n'accepte aucune remarque sur ce sujet? Dès lors qu'une personne lui fait nasiha, elle s'énerve et s'en va. Que pouvez-vous nous conseiller, Chir? Jazakallah khairan. Afin d'un Chir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fi sawt. Alhamdoulilah. D'abord, je commence par une ou deux choses. La première, c'est en ce qui concerne il y a un arrière-son. Non. Quand tu poses des questions, il y a un arrière-son. Je ne sais pas s'il est seulement chez moi ou chez tout le monde. Un moyen. Non. La deuxième des choses, vous savez que mes cours c'était quel jour? C'était samedi et mercredi. Vous savez maintenant que le samedi est enlevé et qu'il est devenu un lundi. C'est-à-dire que mes cours sont maintenant c'est quoi? C'est lundi et mercredi. Là. D'autre part, donc le prochain cours, c'est quand est-ce? Inch'Allah. C'est le lundi prochain. Mais, puisqu'aujourd'hui on n'a pas pu faire le cours, il est possible, je dis bien, il est possible que on le fasse, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Spécialement ce samedi. Sinon, samedi, on n'a plus cours. On n'a plus cours le samedi, maintenant, c'est les lundis. Mais, dans le cas où je serai, il y en a présent ici chez moi. Et vous commencez à voir si, donc, il y a cours ou il n'y a pas cours. Hein? Donc, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de mettre, pour ceux qui ne savent pas, c'est de mettre mon pseudo dans votre liste. Comme ça, quand je me connecte, vous voyez, il y a mon pseudo présent qui clignote. Ça veut dire donc qu'il va y avoir cours. Quand il n'y a pas mon pseudo qui clignote, ça veut dire que je suis absent et qu'il n'y a pas cours le samedi. D'ailleurs, Akh Mohamed, dites-moi si vous avez compris ce point. Alhamdoulilah. Donc ce premier point est clair. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala aimer en Allah subhanahu wa ta'ala toute personne qui m'a aimé en lui. Deuxièmement, pour le comportement avec les savants, non, ça demande vraiment des peut-être pour expliquer cela. Maintenant, si on arrive au point où on dénigrer des savants, non, il faut savoir alors que ça devient grave. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un tekfili et un tekfili? Il ne reconnaît pas le savant ni sa valeur. Non. C'est un sunnah. Non. Il quoi? Ils font comme vous avez vu comment Jibril alayhi salam l'a fait quand il est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis quoi? Il s'est mis à genoux et il a posé ses mains sur ses genoux à lui. Il s'est approché
le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions dans le din. Al-Muhim, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner le comportement des salaf alayhim rahmatullah. Ensuite, donc inshallah ta'ala, on laissera un cours spécialement. On fera sur les légendes de la semaine. Inch'Allah ta'ala. Et je profite de ma soeur qui avait envoyé un email dans lequel elle avait parlé d'un takfiri et avait dit que l'iré parlait mal sur moi, etc. Barakallahu fiha pour cette remarque. Bon, ça fait longtemps que j'ai vu les vidéos, pas vu, n'a pas écouté. Moi, je voulais faire une remarque ici. Après ça, envoyez un autre où elle dit, je me reprends sur le frère et ça, je voudrais lui dire, Inch'Allah ta'ala, qu'il n'y a pas à se repentir de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas médit quand on parle d'un tekfiri, ou là on parle d'un moutel, ou là on parle d'un négari, ou là on parle des chiites, ou là de Khomeini, ou là on dit que ce sont des pervers, ou bien ce sont des égareurs, ce n'est pas une. Toi, ce n'est pas une médisance ni une calomnie. Mieux encore, si tu parles à des gens pour leur montrer que ceux-là sont dans le faux, dans le but fi sabilillah, tu voudrais mettre les gens en garde contre tel chiite, contre tel tekfiri, contre Salah 19, contre. Si tu fais ça fi sabilillah, dans le but que les gens ne tombent pas dans l'égarement, Inch'Allah ta'ala, des récompenses. Tu as des récompenses. Ensuite, quand tu as dit le frère, je me reprends de ce que j'ai dit sur le frère, etc., laisse-moi te dire aussi que ce n'est pas un frère. Toute personne qui est dans l'égarement n'est pas mon frère. Non, si elle est dans l'égarement et qu'elle voudrait apprendre, etc., je suis doux avec cette personne, je lui apprends son dîne, je passe des heures avec elle, je lui donne mon argent, je lui donne ce qu'elle veut, si elle veut apprendre, et quitter le mauvais sentier pour revenir vers le sentier d'Allah. Mais si la personne, me dénigre et se moque du minhaj des salaf et rit d'eux et les méprise, etc., celui-là ce n'est pas mon frère, celui-là c'est mon ennemi dans la da'wah. Celui-là, tout takfiri, c'est mon ennemi dans la da'wah. Tout rafidi, c'est mon ennemi dans la da'wah. Et comme ça, tout jahmid, c'est mon ennemi dans la da'wah. J'ai bien dit, dans la da'wah, j'ai pas dit en islam. Dans mon minhaj, c'est mon nain. Al-Muhim, barakallahu fik. Pour la personne, la deuxième question, qui a parlé du khula, et qui a dit qu'elle avait entendu un cours, etc. Naam, quand on est en islam, on va dans le mal. Musulman, le juge oblige le mari à faire, c'est-à-dire femme, quoi. Quand la femme voudrait le khula et qu'elle a les raisons. Car le hadith dit que toute femme qui demande le divorce n'a pas les raisons, bien sûr, qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Mais celle qui a les raisons valables, comme on va voir tout à l'heure, celle qui dit mon mari est alcoolique, etc., et voudrait demander le khula, dans ce cas, le juge oblige le mari à accepter le khula quand elle lui rend la dot. Donc je dis à cette personne, il faut voir avec une instance islamique ou bien une ambassade ou bien un ami ou bien un imam ou bien quelqu'un te ferait séparer de ton mari lorsqu'il lui rend la dot. La troisième question, la personne qui a dit qu'elle travaillait en équipe du mois, donc elle faisait du mois une fois tous les 15 jours. Je lui dis, la Jumu'ah, il faut la faire une fois par semaine, pas une fois par 15 jours. Tu dois chercher un travail où la personne, le responsable, te laisse aller à chaque Jumu'ah, sauf si tu es à une distance de à peu près 7 km. Si tu es loin de Salat al-Jumu'ah de à peu près 7 km, tu peux, Inch'Allah Ta'ala, la faire Salat al-Dhuhr. Quant à la personne qui dit que son mari était alcoolique, c'est normal qu'on ne va pas vivre avec un alcoolique. On ne va pas vivre avec un alcoolique, car
yani seulement yani si on voyait seulement yani les problèmes qu'il y a avec un mec, bon, c'est très dangereux l'alcoolique. Pourquoi? Parce que c'est l'alcool, c'est quoi? On perd la raison. On peut tuer sa femme, on peut tuer ses enfants, on peut faire la zina avec sa mère, on peut faire la zina avec sa soeur, et comme ça. Donc vivre avec un alcoolique, il n'y a pas en islam. C'est pour ça que elle devrait lui demander qu'il la divorce ou bien qu'elle lui rende la dot et que quelqu'un yani, les sépare bi'idhnillahi ta'ala à vie. Sauf si bien sûr il fait la tauba et il décide de quitter. Naam. Pour la dernière question, la personne qui a dit que une personne très proche de nous ne prie pas, n'accepte pas des nasihas, etc. Je voudrais te dire, cher frère ou chère soeur, que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas obligés à ce que, yani, on doit yani, forcer les gens à ce qu'ils commencent à prier ou là, à ce qu'ils appliquent. Nous, on dit seulement yani, la bonne parole quand il y a l'occasion aussi. Quand il n'y a pas l'occasion et la personne n'accepte pas, lui ou bien s'énerve, ou bien m'insulte, ou bien dit tais-toi, ou bien celle-là, je ne lui parle pas. Celle-là, je ne lui parle pas. Pourquoi? C'est elle qui m'a dit, Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, est témoin qu'elle ne veut pas de ma parole quand je lui parle de dîner, etc. Bien sûr, sauf qu'à des exceptions. Quand, par exemple, c'est mes enfants, je dois leur parler, même s'ils n'acceptent pas. Hein? Ou là, quand c'est mon mari, il ne veut pas. Non. Mais avec une étrangère, ou là, ma tante, ou là, ma voisine, la cousine, ou là, non. Ou là, mon père, ou là, ma mère. Cela, je ne les commande pas. S'ils ne veulent pas, moi, je dis dans mon cœur, Allah est moins que moi, je veux, ils ne veulent pas. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait le pas les faire. Et si Allah est moins que si il m'avait donné l'occasion, j'aurais fait, il y a mon devoir. Mais il ne me donne pas l'occasion. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Je te dis comme a dit Allah Ta'ala à son prophète et à son islam. Yani la tadhhab nafsuka alayhim hasarat. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine que tu vives à cause d'eux, yani dans le chagrin. Non, à cause d'eux. Non, si Allah Ta'ala avait voulu guider cette personne, on l'aurait guidé. Yani ces questions. Fadlan inshallah ta'ala pour les prochaines. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, cher. Normalement, c'est un musulman de prendre le micro, Inch'Allah. Fadal. Cher, par rapport au Jumaa, c'est 7 km du travail ou 7 km du domicile. Cher, en fait, le salon n'est pas fermé. Sans faire exprès, j'ai fermé la room. Donc il y a sûrement des gens à l'intérieur. Donc moi, en fait, là, je peux pas en fait m'occuper de poser des questions sur Patalk et sur InSpeak en même temps sur le domicile en islam. Donc ça va filer de l'océan, tu peux le faire, Sharma. Enfin, je vais ouvrir le PM, Sharma. Akhi Muslim, prends le mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son. Alhamdulillah.
Ne venez pas tous en PV car vous me faites bugger. Et après le parental qui il se bloque. Donc je demande juste aux personnes qui ont le PV bloqué de m'envoyer leurs questions. Les autres, vous les envoyez directement, frère Ahmohammed 64. Barakallahu fekoum. Donc je vais lire les questions, Inch'Allah. La question de Bébé 34. À bord d'un avion. Allez, chier. Ça fait le bruit d'un avion. Alors, j'ai des questions, Inch'Allah. Mais, chier, malgré que je fais dans un avion, est-ce que le son est bon, Inch'Allah? Non, mais c'est un vieux PC, chier. Non, là, monsieur Daré, c'est pour ça que j'ai un PC qu'on m'a prêté. Khair, Inch'Allah. Donc, question de Bébé 34. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah. Une sœur pose la question suivante. Son frère va se marier au bled, Inch'Allah, cet été. Et il souhaite faire un contrat de mariage avec séparation des biens. Est-ce licite de faire un tel contrat chez le notaire? Jazakum Allah khairan cher pour votre patience. À nous inculquer le vrai din. J'ai bouché le réacteur, normalement il y a moins de bruit. Question de Umhaja 72. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne les salats surérogatoires. Si une personne a pris l'habitude de prier dans le Kara après salat de Dhuhr, et qu'elle en est empêchée pour une quelconque raison, peut-elle rattraper ces deux rak'ah après salat al-Asr dans le cas où elle n'a pas pu les rattraper avant l'heure de l'Asr? Barakallahu fikoum. Question de Dhuhr al-Asr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shaykh. Que disent les savants sur les parents qui interdisent leurs enfants de se marier, que ce soit une fille ou un garçon? Inch'Allah, barakallahu fikoum. Tfadal, Akh Mohamed. Non, Stewart est-il caché? Non, je cherche Stewart. Je fais Inch'Allah la première. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum Allah, une sœur pose la question suivante. Son frère va se marier au bled, Inch'Allah, cet été. Et il souhaite faire un contrat de mariage avec séparation des biens. Est-ce licite de faire un tel contrat chez le notaire? Tfadal, Inch'Allah. Avant cela, Muslim, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire ce contrat-là. Si tu pouvais m'expliquer c'est quoi yani, ce contrat, premièrement. Et deuxièmement, dans la troisième question, tu as dit que interdisent le mariage à leurs enfants. Est-ce que c'est ça la question? Non, cher, pour la dernière, c'est bien ça. Les parents interdisent à leurs enfants de se marier. Et pour la première, en fait, séparation des biens, c'est-à-dire, en cas de divorce, il y a 50-50. Et en cas de divorce, le mari prend la moitié et la femme prend la moitié. C'est un contrat avec séparation de biens. Et il dit explicite de faire un tel contrat chez le notaire. Tfadal, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, Chir, là, je vais revenir sur la question qui a été posée en anime tout à l'heure. Donc, elle demande, mais la sœur est déjà séparée depuis longtemps, mais à l'époque,
les frères ne voulaient pas, mais elle est déjà séparée depuis longtemps. Mais elle ne savait pas qu'il fallait l'accord du mari. Elle a juste rendu la dot assez tôt. Donc elle demande si c'est valable. Aussi, il faudrait que tu me dises par rapport aux questions là sur Paltalk. Justement, il y en a beaucoup qui ont les questions, les PV fermés. Il faut que tu me dises en fait les par rapport aux pseudos qui sont ouverts, si tu veux aller les chercher ou pas, Inch'Allah. Voilà, toi, fixe. Donc, question de Anna Muslim. Ok, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des récompenses, chir, pour tout ce que vous faites, ainsi que ceux qui vous aident pour le haq, mashallah. Est-ce de la médisance quand on veut mettre ses enfants en garde contre certaines personnes, en particulier la famille, et quand on est obligé d'expliquer les raisons pour qu'ils comprennent mieux le danger de les fréquenter, c'est-à-dire dire que les filles ne prient pas, fument, ou une telle va chez les charlatans, etc. Je dis à mes enfants de les respecter car c'est la famille très proche, mais je ne veux pas qu'ils restent avec eux. Je précise que je ne parle de ces personnes à personne et ne les juge pas. Je fais cela uniquement dans le but de protéger mes enfants. Inch'Allah. Question de Redouane 13. Salam alaikum, cher. Nuhibuku fillah. Wa nasallahu lana wa laka wa l'afia. Wa fikum pour ces cours et pour le temps que vous nous consacrez. Akhi Redan, si tu peux dire la question, Inch'Allah. Pour le temps que vous nous consacrez en répondant à nos questions. Bon, sa question concerne la Taouba, Inch'Allah. Donc, si elle insiste, Harry, fais-moi signe. Là, je vais passer une autre question, Inch'Allah. Donc, la question de Ahlou Souna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, Yachir, quel est le meilleur des comportements face à une personne qui nous fait du mal? Utile de Barakullah, au fait comme Yachir, pour vos conseils et éclaircissements, qu'Allah Azzawajal en pense. Non, mais il y a du son, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Chir, je me suis trompé en faisant séparation des biens. Il y en a une machine 50-50. C'est-à-dire lorsque les personnes se marient, et si elle divorce, chacun récupère sa part. C'est-à-dire chacun récupère ses affaires. Donc c'est pas 50-50, c'est chacun ses affaires. Et à mon avis, quand vous avez été déconnecté, cher, j'ai vu que vous êtes parti, vous êtes revenu. Je sais pas si vous avez entendu les deux dernières questions derrière le InSpeak. À toi d'Alcher. Justement, j'ai pas entendu quand j'étais déconnecté. Non. Tfadla.
Khair, Inch'Allah. Donc, Cheikh, juste par rapport à tout à l'heure, par rapport au Jumu'ah, vous aviez dit 7 km. Donc, c'est 7 km du travail ou du domicile. Donc, la question sur une speak. Donc, question de Anna Muslim. Salam alaykoum wa rahmatoullah. La meilleure des récompenses chères pour tout ce que vous faites, ainsi que ceux qui vous aident pour le haq, mashallah. Amin wa yakoum. Est-ce de la médisance quand on veut mettre ses enfants en garde contre certaines personnes, en particulier la famille, et qu'on est obligé d'expliquer les raisons pour qu'ils comprennent mieux le danger de les fréquenter? C'est-à-dire, dire que les filles ne prient pas, fument, ou une telle va chez les charlatans, etc. Je dis à mes enfants de les respecter car c'est la famille très proche. Je ne veux pas qu'ils restent avec eux. Je précise que je ne parle pas de ces personnes à personne et ne les juge pas. Je fais cela uniquement dans le but de protéger des enfants, Inch'Allah. Donc, Akhir Redan 13, Inch'Allah, si t'es là, renvoie-moi ta question, Inch'Allah. Question de. Donc, Ahlu Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, Yachir, quel est le meilleur des comportements face à une personne qui nous fait du mal ou qui nous blesse injustement? Quelle est la meilleure des réponses aux yeux d'Allah Azzawajal? Y a-t-il des choses à faire, donc invocation ou autre, pour que le cœur ne soit pas trop attristé, affligé? Barakallahu fikoum Yachir, pour vos conseils et éclaircissements. Qu'Allah Azzawajal vous récompense. Tafadal Cheikh. Vous m'entendez, Inch'Allah? Muslim, est-ce que le Rouraba est avec nous, Muslim? Est-ce que le Rouraba est avec nous? Là. Taïb, Mali. Pour Salat al-Jumu'ah, j'avais dit tout à l'heure, à peu près, c'est 7 km. Certains ont dit 9, certains ont dit 7, certains ont dit 6. Naam. À partir de cette distance, que ça soit de la maison ou que ça soit du travail, la Jumu'ah n'est pas obligatoire pour l'homme. Vous comprenez? Si j'habite à 7 km loin de la mosquée, à peu près, la Jumu'ah n'est pas obligatoire pour l'homme. Il peut la faire comme Salat d'Or. Que ça soit du travail ou de la maison, bien sûr. Ensuite, pour la personne, tout à l'heure j'ai oublié une chose, qui avait dit que on vous quittait son mari, je crois qu'elle parlait de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool. Pour ce qui est des dettes, est-ce qu'elle le laisse avec les dettes, les intérêts, etc. Cela dépend qui a fait ses dettes. Si c'est lui qui a fait ses dettes, elle les laisse avec ses dettes. Si c'est elle, yani, qui a fait des dettes en son nom à elle, donc elle doit payer ses dettes. Il faut voir donc, et la chose a dit, on l'a acheté au nom de qui a fait les dettes. Naam. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour la séparation dont vient de parler Yanni, il y a un hadith qui dit le musulman à la shorotihim. Les musulmans, c'est d'après quoi? D'après leur convention. Naam. S'ils font une convention que, yani, si on se sépare, moi je prends cela et toi tu prends cette chose, etc. Et qu'ils le font de plein gré, que personne n'a forcé l'autre, et que les deux ont accepté. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Non. Pour les deux rak'at de Salat al-Dhuhr. Pour les deux rak'at de Salat al-Dhuhr. Quand une personne a l'habitude de faire deux rak'at après Salat al-Dhuhr, et que, pour des raisons, pour une raison ou une autre, elle n'a pas pu les faire un certain jour, elle peut les faire donc après Salat al-Asr. Elle peut les faire après Salat al-Asr. Comme c'est dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et la même chose pour la personne qui a l'habitude de faire des rak'at avant Salat al-Dhuhr et que pour une raison particulière elle ne les a pas faites, alors elle peut les rattraper après Salat al-Dhuhr. Donc résumé, ce qu'on loupe après Salat, avant Salat al-Dhuhr, on le rattrape après Salat al-Dhuhr. Et ce qu'on loupe après Salat al-Dhuhr, on le rattrape après Salat al-Asr. Naam. Pour les enfants, pour les parents qui interdisent les enfants de se marier, on va voir d'abord, est-ce qu'ils les ont interdits pour de bon, ils disent, classe, mes enfants ne se marient pas, ou bien leur interdire de se marier avec, par exemple, un certain conjoint. Il y a une grande différence entre celui qui dit, jamais ma fille ne se mariera, et celui qui dit, ma fille ne se mariera pas avec X ou Y des gens. Là, on va avoir une grande différence. Si c'est le premier cas, ma fille jamais ne se mariera, on va lui dire, tu te trompes beaucoup. Car ta fille, certes, c'est ta fille, mais c'est d'abord, ta fille, c'est le serviteur d'Allah Ta'ala. Ce n'est pas toi qui as créé ta fille. Toi, tu l'as enfantée, c'est tout. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de la commander dans des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala commande, que Allah Ta'ala commande. Naam. Toi, tu la commandes, tu commandes ta fille, tu lui dis, par exemple, va m'acheter telle chose, ne mets pas tel vêtement. Et comme ça, tu ne vas pas la commander dans, par exemple, le fait de lui interdire de se marier. Ou là, le fait de la forcer à boire de l'alcool. Et comme ça. Donc, celui qui interdit à son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, de se marier, celui-là, il se trompe beaucoup et c'est interdit pour lui. C'est interdit pour lui. D'ailleurs, juste maintenant, Yanni. Quand j'ai fait Salat Isha, je revenais de la mosquée. Je parlais avec un frère qui a beaucoup de problèmes, etc. Avec son père, etc. Hein, et qui me dit qu'il ne laisse pas me marier, etc. Je lui dis, marie-toi, même s'il n'accepte pas. Hein, subhanallah, tu vas vers la zina. Même si ton père n'est pas au courant, toi tu es un homme, c'est pas comme la femme. La femme, elle doit avoir quoi? Elle doit avoir la vie de son père. Hein, je lui dis, marie-toi, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. C'est mieux que tomber dans la zina. Donc on va faire la différence entre celui qui est interdit pour une raison particulière et celui qui est interdit en général, il n'a pas le droit. Pour la personne qui a donné sa dot sans le consentement du mari, on lui dit que en fait le mari doit accepter. Mais maintenant, il se peut qu'il n'accepte pas. C'est pour ça qu'il y a le juge qui doit le forcer à accepter. Maintenant, on dit à cette personne qui ne savait pas, on lui dit, voir maintenant, s'il s'est désisté, là, s'il a pris la dot et il n'a plus cherché à savoir et qu'il a accepté à la fin, ça veut dire qu'il a accepté. Sinon, si on sait qu'il n'a pas accepté, qu'il a pris à contre-cœur, etc., on essaie de le contacter pour lui dire, yani, d'accepter ou alors de divorcer. Pour la personne qui parle des enfants et qui dit qu'elle les met en garde contre certaines personnes de la famille qui font des péchés, comme fume la cigarette et je ne sais pas ce qu'elles font, je lui dis que ça ne rentre pas dans la médisance. Naam, si je ne lui parle que quoi? Que de ce péché. Je ne lui ai pas parlé de la personne elle-même, mais du péché qu'elle fait. Du péché qu'elle fait pour lui montrer que, yani, on ne sait jamais un enfant. Peut imiter son cousin, peut imiter son oncle, sans lui dire. On lui dit, tu sais par exemple que si on sait qu'il va partir chez lui là, on lui dit attention, tu sais que yani, ton cousin fume, etc. Et la cigarette est interdite en islam par exemple. Naam, faut pas imiter yani, ton cousin. Naam, ça on n'a pas fait de la médisance. Pourquoi? Parce que la personne là, par exemple le cousin, parlons du cousin qui fume, yani, il le fait devant tout le monde. Quelqu'un qui fait un péché devant tout le monde, ce n'est pas interdit de parler de lui devant tout le monde aussi. Parce que lui-même, il fait la chose devant tout le monde, vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas un péché. Lui, il ne fait pas la chose en cachette. Il la fait devant tout le monde. Et nous, on parle de lui devant tout le monde parce qu'il n'y a pas de contradiction. Lui-même, il la fait devant tout le monde. Comment moi, je vais cacher de lui? Donc moi, je dis attention, faites attention à X et à Y. Il fait tel péché ou là pour ne pas y en limiter. Et enfin, pour quel est le meilleur comportement à avoir avec celui qui nous fait du mal, le meilleur comportement, bien sûr, c'est de pardonner.
c'est de pardonner à la personne qui nous fait du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui pardonne à une personne qui lui a fait du mal, en pouvant lui faire du mal si elle voulait, mais malgré cela elle pardonne, il a dit que Allah ta'ala va l'appeler yawm al-qiyama devant tout le monde qu'on est en train d'entendre et de voir, et de lui dire choisis parmi les femmes du paradis, hein, celle que tu veux. Si c'est une femme, bien sûr. Si c'est un homme, il lui dira choisir parmi les femmes du paradis. Si c'est une femme, il est possible qu'il lui dise de choisir parmi les hommes du paradis ou bien autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim, celui qui peut arriver au point où il peut pardonner à celui qui lui fait du mal, celui-là, il a atteint un degré vraiment haut. Maintenant, s'il ne veut pas pardonner, qu'il veut par exemple faire des doigts contre lui, cela aussi c'est permis en islam. S'il veut maintenant aller dans un tribunal musulman pour demander qu'on fasse quelque chose contre cette personne qui lui fait du mal ou là, c'est aussi permis. Mais comme je vous ai dit, il y a des rangs. Le plus haut, c'est quoi? C'est de pardonner bi'idnah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ensuite, juste une petite remarque musulmane. C'est la deuxième fois que je vois la personne a dit Karinine ou la Karina ou là je sais pas qui, et que tu la bosses. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, inshallah ta'ala, tfadl? Naam, cher. Cette personne, c'est un takfiri. Et je vous ferai part, inshallah, de ce qu'il m'a écrit en PV. Je vais pas le lire en public, inshallah. Je préfère vous le montrer en PV. Inshallah, vous comprendrez pourquoi je l'ai bouncé. Mais là, c'est je l'ai banni carrément. Donc, inshallah, il reviendra plus. Mis à part s'il prend un autre pseudo. Inshallah. Allah yahdihum wa yahdina. Donc, on va passer aux questions suivantes, inshallah. Donc c'est la question de... Vous avez le son, cher? Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc c'est la question de... Emenis. Salam alaikum, cher. Je suis séparé depuis plus de 2 ans de mon ex-mari. Mais il ne m'a jamais dit qu'il voulait me divorcer. Non. Ah bon, cher, même s'il prend un autre pseudo, il peut parvenir. Alhamdulillah, c'est encore mieux donc. Donc, Inch'Allah, il peut faire le tour des pseudos et il reviendra pas. C'est peut-être par rapport à l'adresse IP. C'est peut-être l'adresse IP qui le bloque. Naam. Khair, Inch'Allah. Donc, question de Oum Aminis. Je suis séparé depuis plus de 2 ans. Mon ex-mari ne m'a jamais dit qu'il voulait me divorcer. Mon mariage est toujours valable. Barakallahu fikoum. Question de Dokour. Salam alaikum. Jazakumullahu khairan. Vos cours. MashaAllah. J'aimerais poser une question d'ordre général. Je voudrais savoir quel est le mieux entre le fait d'être toujours franc avec son époux ou son épouse, ou au contraire cacher les choses même si elles sont importantes car cela pourrait causer du tort. Donc question de Abou Anis. Quel est quoi? Elle dit quel est le mieux entre le fait d'être toujours franc, donc d'avoir de la franchise envers son époux ou son épouse, donc de tout lui dire, que ce soit bien ou mauvais, ou au contraire, cacher les choses, même si elles sont importantes, car cela pourrait causer du tort. Donc éviter de tout dire, afin d'éviter un plus grand mal. Question de Abou Anis, 68. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Noble cher, je vous aime en Allah. J'ai divorcé plusieurs fois ma femme sans connaître les règles du divorce. Pendant sa période de pureté où j'ai eu des relations intimes,
Une fois en parlant tout seul, sincèrement, j'ai dit trois fois. Trois fois de talaq en pensant divorcer une fois. Une fois en lui disant rentre chez toi, sans avoir l'intention de divorce. Une fois en plaisantant pour lui faire peur parce qu'elle ne m'avait pas écouté. Entre parenthèses, sans intention de divorce. Ma question est, combien de fois ma femme est divorcée? Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous rapproche de lui. Tfadal, Akh Mohamed. Muslim, inshallah ta'ala. Avant d'aller à Akh Mohamed, peux-tu répéter les situations où il a divorcé? Peux-tu répéter les situations où il a divorcé? Barakallahu. Non, cher, je répète, Inch'Allah. Cher, et surtout, dites-moi après, Inch'Allah, au micro, si lorsque je parle, c'est clair. Car je peux pas parler vraiment fort, et j'espère, Inch'Allah, que c'est clair lorsque je lis les questions. Donc, il a dit, une fois, en parlant tout seul, sincèrement, j'ai dit trois fois talaq, en pensant la divorcer une fois. Donc, il a dit trois fois avec l'intention de la divorcer une fois. La deuxième fois, donc une fois il lui a dit rentre chez toi sans avoir l'intention de divorce. Et une fois en plaisantant pour lui faire peur parce qu'elle ne l'avait pas écouté. Donc là je sais pas s'il a dit je te divorce ou là ce qu'il a prononcé à cette troisième fois. Donc supposons il lui a dit je te divorce, mais entre parenthèses il dit je n'avais pas l'intention de divorce. C'était juste pour la faire peur. Mousseline, pourquoi tu dis je ne savais pas s'il a dit je te divorce alors que lui il a dit rentre chez toi. Il a dit rentre chez toi. Lui voudrait poser la question, est-ce que rentre chez toi c'est un divorce? الله أعلم ما Non, en fait, chérie, il y a trois fois. La première, donc, il lui a dit je te divorce à trois reprises. Donc, il a dit il était seul à trois reprises et il avait la niya du divorce. La deuxième fois, il lui a dit rentre chez toi. Mais il précise qu'il n'avait pas l'intention du divorce. Et la troisième fois, donc là, il vient de me le dire en PV. La troisième fois, il a dit je te divorce, mais c'était juste pour lui faire peur. Parce qu'elle ne l'avait pas écouté, donc il a voulu lui faire peur. Et il précise qu'il n'avait pas l'intention du divorce. C'était juste pour lui faire peur. Voilà. Alhamdulillah. Tfadan, Inch'Allah. Mouslim, tfadan, quelles sont tes deux questions, Inch'Allah? Madame Chir, question de Redouane 13. Par contre, Muslim, là j'ai trouvé personne pour diffuser en islam. Est-ce que tu veux que je fasse comme ce que je t'ai montré hier? Ok, Inch'Allah. Donc en fait, toi il faudra que tu prennes le mic ici. Moi je pose la question directement sur la rom en islam, Inch'Allah. Donc on fait ça après le temps que je mette tout ça en place, Inch'Allah. Okay, question de 13. Assalamu alaikum wa. Assalamu alaikum Shir. Mufid beaucoup fidèle. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez à travers vos cours. Donc ma question concerne Inch'Allah la Taouba. Je crois me souvenir que dans l'un de vos anciens cours, vous nous aviez dit que faire deux rak'as pour faire tawba n'était pas une sunna. De ce fait, j'en ai déduit que nous pouvions faire ceci dans une des prières obligatoires,
Allahu a'lam. Cependant, si notre taou, cependant, si notre taouba concerne précisément une prière que l'on aurait ratée, par exemple al-Asr, et que nous sommes maintenant à al-Maghrib et qu'on rattrape al-Asr, donc entre parenthèses durant al-Maghrib, en regroupant al-Asr et al-Maghrib, est-il bon de faire notre taouba alors que nous sommes en train de rattraper cette prière, ou plutôt est-il préférable de faire taouba dans une prière faite en son heure? Toujours concernant la taouba, y a-t-il d'autres moyens de faire celle-ci en dehors le moyen de salat? Barakallahu fikum. Donc pour moi c'est un peu compliqué envers ce que Cheikh il a dit, inchallah. Question de l'islam salafi. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, Akhi Islam Salafi, tu m'entends? J'ai pas compris, c'est bien le carré que t'as marqué. D'accord, même. Ok, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher. Le qarin du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est converti à l'islam. Attendez votre tour, Inch'Allah, pour poser vos questions. Ne les envoyez pas pendant que je suis au micro. Allahu fikum. Je recommence, cher Afan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cheikh. Le qarin du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est converti à l'islam. Est-ce que cela signifie qu'ils sont mécréants à la base? Et si on entre dans l'islam, rentre-t-il aussi dans l'islam? Barakallahu fikum wa jazakum Allah khayran. C'est pas dans le cheikh. J'ai pas bien compris la quatrième question. La quatrième question, je l'ai pas bien comprise. Et la cinquième, tu as dit à la fin, est-ce que s'il rentre en islam, ou s'il est rentré en islam, ça veut dire qu'il est rentré en islam? Celle-là aussi, c'est une question un peu louche. Qu'est-ce que ça veut dire s'il est rentré en islam? Est-ce qu'il est rentré en islam? Le moyen. Pour ça, la première personne qui a dit qu'elle était séparée depuis 2 ans et que son mari n'a jamais entendu dire qu'il l'avait divorcée, je lui dis que non, elle n'est toujours pas divorcée. Le mariage est toujours valide et c'est interdit à une femme. C'est interdit à une femme de sortir de la maison et de s'éloigner comme ça de son mari, non, 2 années. Si c'était juste une semaine ou là, ce serait interdit. Quoi en est-il comme ça? 2 années. Bien sûr, il y a des, comment on dit ça, il y a des situations particulières où la femme est, par exemple, a peur de la violence du mari, etc., qu'elle va y aller chez ses parents ou là, je ne sais où, pour, par peur, par exemple. Non. Sinon, quand un mari ne dit pas à sa femme elle est divorcée et qu'elle n'a pas fait de khula avec lui, Elle est en islam toujours considérée comme sa femme, même si elle reste combien? 5, 10, 15, 20 ans. Non. C'est pour ça que cette sœur devrait voir avec lui comment faire. Comment faire? Non. Quant à la deuxième question, est-ce qu'on doit être toujours franc avec le conjoint? Non. C'est la base. La base qu'on doit être toujours franc avec le conjoint. Mais ça ne veut pas dire que je dois tout raconter, même au point où ça va être au oignon. Il y a des choses que des fois je ne raconte pas pour ne pas ébranler l'union.
mais à condition que ce ne soit pas des choses que yani, il devrait, une chose qu'il devrait congeler lui cachement. Il y a des choses, yani, des fautes ou là, qui viennent de moi ou là, de ma mère ou là, je ne sais pas de qui ou là, avec ma voisine, il s'est passé une chose. Il ne faut pas que je lui raconte tout, car je sais, si je sais que ça va être au détriment de notre union. Non. Sinon, il n'y a pas, disons, une chose comme ça qui montre très clairement ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Mais toute chose que, si je la lui cache, et que demain, s'il va la savoir, non, yani, ça va être vraiment grave pour le lui avoir caché. Dans ce cas, ce sont des choses que je dois raconter. Et des choses qui sont futiles, qui n'ont rien à voir, par exemple, avec mon mari, etc. Je ne vais pas les lui raconter pour yani, ébranler yani, ma relation avec lui. Wallahu ta'ala alam. Naam. Pour la troisième question, naam, la personne qui, pour le frère qui m'avait dit qu'il m'aimait Allah, puisse Allah ta'ala l'aimer comme il m'a aimé. Le frère a dit qu'il avait divorcé 3 fois en étant seul, mais en pensant que c'était une seule fois. Je lui ai dit, en fait, une personne ou un homme, quand il divorce sa femme, ce n'est pas obligé qu'elle soit avec lui. Quand un homme divorce sa femme, ce n'est pas obligé qu'elle soit avec lui. Par exemple, moi je suis là dans ma chambre, supposons que ma femme soit chez ses parents, par exemple à 40 km de chez moi, et moi maintenant dans ma chambre, si je dis, à condition que ça soit pas dans le cœur, mais je le prononce, je me fais entendre, même si c'est entre mes lèvres, je dis ma femme est divorcée, khlas, ça veut dire elle est divorcée, même si elle le sait pas, même si elle ne non, même si elle le sait pas. C'est pour ça que si par exemple elle veut ça, si par exemple il va le lui dire après, supposons qu'il va le lui dire après 5 mois, après 5 mois il va lui dire, il y a par exemple 5 mois je t'avais divorcé, ça veut dire que sa période de viduité est terminée, parce que la période de viduité ne peut pas durer plus de 3 mois, c'est 3 monstrueux, pas plus de 5 mois, c'est 3 monstrueux, ça peut pas faire 5 mois. Donc elle est quoi? Elle est divorcée. Naam. Mais bien sûr, maintenant vous allez me dire, et si elle ne va pas, elle ne va pas le savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a rendue, il l'a reprise, il a décidé de la reprendre. Sauf si c'était bien sûr le 3e divorce, et il ne lui a pas dit, et que maintenant, yani, il l'approche, ça veut dire qu'il n'est plus son mari, il est dans la zina. C'est lui qui a les fautes, les péchés, elle n'en a pas, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était divorcée. Al-Muhim. Donc je dis à ce frère, si tu as dit, en étant seul, sans que ta femme ne le sache, tu as dit ma femme est divorcée, ça veut dire qu'elle est divorcée. Mais si tu dis elle est divorcée, comme ça 3 fois, ça ne compte qu'une seule fois en islam. En islam, il n'y a pas 3 fois comme ça, il y en a d'un coup, mais il y a une fois, ensuite période de viduité, ensuite 2 fois, période de viduité, 3 fois et comme ça. Il n'y a pas 3 fois d'un coup, ça il n'y a pas en islam. Donc la fois où tu as dit ma femme est divorcée, en étant seul, ça compte une fois. Donc ta femme est divorcée une fois. La deuxième fois où tu as plaisanté, tu as dit elle est divorcée, mais tu plaisantais avec elle, juste pour lui faire peur. L'islam dit elle est divorcée. Non. En islam, le mariage est tellement sérieux qu'il n'y a pas de plaisanterie. On ne plaisante pas dans le mariage. On ne plaisante pas dans le divorce. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit dans 3 choses, il n'y a pas de plaisanterie. Il a cité entre autres quoi? Le mariage. Non. Il a cité talaq, afin le divorce. Donc ici, la deuxième fois, elle est divorcée quand tu as plaisanté avec elle. Reste la 3e fois quand tu as dit rentre chez toi, mais pas avec l'idée du divorce. Rentre chez toi, pas avec l'idée du divorce dans le cœur. Dans ce cas, elle n'est pas divorcée. Mais si c'était va chez toi, avec dans le cœur, c'est terminé entre nous, ça aurait été un divorce. Donc pour toi, alhamdoulilah, tu as divorcé seulement 2 fois, il te reste yani, la dernière occasion avec elle, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire du yani, ce mariage qu'il y a, du bien pour vous, le bien de l'au-delà, le bien de l'akhira. Tayyib,
Enfin, pour le Qarin, vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit, il a dit que vous tous, vous avez le Qarin qui est avec vous. Savez ce que c'est le Qarin? Le Qarin, c'est un, comment on dit ça en français? On dit un djinn, je ne sais pas comment on dit en français le djinn. Bon, disons c'est un esprit, eux ils disent un esprit, moi je vous dis un djinn. Vous comprenez, vous les musulmans, vous savez ce que c'est le djinn. Il y a quelqu'un qui est avec nous, qui ne nous quitte jamais. Celui-là, spécialement pour essayer de nous faire du mal, etc. Mais, alhamdoulilah, toute personne qui est revenue vers Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah l'aide et ligote. Ligote et enchaîne cette créature-là pour qu'elle ne lui fasse pas du mal. Plus tu vas vers Allah, plus il le ligote. Plus tu l'éloignes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus il lui ouvre. Il lui ouvre ses chaînes pour que il te fasse du mal, etc. Mais le prophète, il a dit, quant au mien, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé contre lui. Ensuite, il y a le mot Aslam. Aslam. Regardez d'abord, je vais l'écrire, ensuite je vais vous expliquer. Voilà, en arabe, c'est écrit comme ça. Pour ceux qui ont l'arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a aidé ce Qarin, fa aslam. C'est écrit comme ça, aslam. Donc le prophète aslam, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas entendu parler. Mais dans le hadith, c'est écrit comme ça. C'est écrit aslam. Mais, est-ce que c'est écrit aslam comme ça, avec A, ou bien sur le A, c'est-à-dire en arabe, sur le alif, est-ce qu'il y a un O? Ouslim. Naam. Est-ce que Aslam ou bien Ouslim? Si c'est Aslam, ça veut dire qu'il est rentré en Islam. Si c'est Ouslim, s'il y a un O, ça veut dire que c'est pas question d'Islam, il est rentré ou il n'est pas rentré. Mais ça veut dire que Ouslim, ça veut dire que je suis préservé de lui, il ne peut pas me faire de mal. Et là, il y a une grande différence entre est-ce que c'est A ou bien c'est O. Si c'est A, ça veut dire qu'il est devenu musulman. Si c'est O, ça veut dire moi, je suis préservé. En arabe, on dit Ouslim. Ouslim de telle personne, alhamdoulilah, elle peut plus me faire de mal. Donc pour ceux qui ont dit c'est avec un A, ils ont dit il est devenu musulman. Donc c'est le seul djinn qui était shaitan qui va rentrer au paradis. C'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son djinn. Et ceux qui ont dit non, le hadith a dit Ouslim, c'est pas A, c'est pas Aslim. Donc ils ont dit, ça veut dire tout simplement que il ne peut plus me faire du mal comme il vous fait à vous du mal. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Tfadl inshallah ta'ala, à vous le micro. Naam, donc la question suivante, inshallah. C'est la question de Sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pour les enfants de 6 à 14 ans, à la fin du tournoi, il récompense chaque équipe selon le classement des gagnants. Est-il permis, cher, de les récompenser? Si non, y a-t-il divergence ou il y aurait peu. Non, mais on va te faire de la rire, Mohamed. Te faire de la Inch'Allah. Bien, monsieur. Donc, c'est la question sur la Tauba. Tu m'entends, Inch'Allah?
Donc, cher, pour faire bref, Inch'Allah, donc il vous demande, je voulais simplement savoir s'il était bien de faire Tawbah pour une prière que l'on vient de rater, alors que nous sommes en train de rattraper justement cette prière. Je voulais donc savoir s'il ne valait pas mieux de faire la Tawbah plus tard, dans une salate que je ne fais pas en son heure, ou avant de rattraper cette salate en faisant un rak'at. Et donc il voulait savoir si la Tawbah aussi pouvait se faire d'une autre manière et non nécessairement via la salat. Tafadhal cheikh. Naam. J'ai dit la fois passée, je redis inshallah ta'ala. Il n'y a pas en islam une salat qui s'appelle la salat du repentir, salat Tawbah. Il n'y a pas. Cherchez donc de faire, il n'y a pas. Il y a salat subh, dhuhr, maghrib, isha, witr, istikhara, istisqa, istisha, kousouf, khousouf, doha. Mais il n'y a pas Tawbah. Al-Muhim. Mais si quelqu'un après un péché veut faire deux prières pour Allah subhanahu wa ta'ala, deux rak'at, et demander pardon, il peut le faire. Mais il ne peut pas légiférer et dire voilà, il y a une salat qu'il faudrait pour la fassiez, etc. Al-Muhim. Donc la personne ici maintenant qui a raté une salat obligatoire, elle l'a raté sans excuse. Elle veut la rattraper. On lui dit d'abord, si tu l'as laissé sans excuse jusqu'à ce que l'autre moment de l'autre soit venu, c'est pas la peine de la rattraper, elle ne sera pas acceptée. Comme ça disent les savants, Nam, la salat obligatoire ne se rattrape qu'avec excuse. Je l'ai oublié, je me suis endormi, je me suis évanoui, j'ai perdu ma raison, je suis devenu fou. Ensuite, ma raison est venue, je rattrape ma salat. Et encore, comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, dit si quelqu'un s'évanouit, il rattrape plus. Mais laisser la salat comme ça sortir, sans raison, à cause que je me promenais, ou bien j'étais à la télé, ou bien j'étais au stade, ou je ne sais pas quoi, après aller la rattraper, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, son moment est sorti. Al-Muhim, c'est pour ça que je dis à cette personne, maintenant, si tu l'as fait, tu as fait sortir ta prière sans excuse. La Tawbah consiste en quoi? Ce n'est pas en faire de rak'atullah, mais c'est en suppliant Allah subhanahu wa ta'ala et en l'implorant de pardonner et de yani, d'avoir dans le cœur de ne plus jamais refaire ce péché et peut-être de jeûner par exemple un jour sabillah, ou bien de donner un peu d'aumône qui sabillah, ou bien yani, le repentir. Il y a plusieurs façons pour le faire. Des fois on le fait avec le cœur seulement, des fois on ajoute en faisant yani, quelque chose qui plaît à Allah Ta'ala, comme par exemple en faisant, je ne sais pas, la prière de la nuit, ou bien en jeûnant un jour, ou bien en jeûnant une semaine, ou bien en donnant un peu d'argent aux pauvres, ou bien en achetant un corps, on va le mettre à la mosquée, ou bien, il y a mille et une façons yani, de faire une bonne œuvre pour que Allah Ta'ala nous efface la mauvaise œuvre. Non, donc question de Sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Un tournoi de foot a lieu chaque année pour des enfants de 6 à 14 ans. À la fin du tournoi, il récompense chaque équipe selon le classement des gagnants. Est-il permis, Cheikh, de les récompenser? Si la réponse est non, y a-t-il divergence ou une unanimité sur la question Barakallahu fikoum, Cheikh, qu'Allah vous récompense pour tout? Question sur le hijab. Assalamu alaikum, Cheikh. Une sœur qui est au lycée recherche un stage afin de valider son bac. Si elle ne trouve pas ce stage, elle n'aura pas son bac. Cette sœur porte le hijab et le domaine dans lequel elle va faire son stage demande de le retirer. Je suis en mesure de lui procurer ce stage grâce à des membres de ma famille, mais j'ai peur de commettre un péché en la facilitant dans ce domaine. Que dois-je faire? Dois-je lui trouver son stage pour qu'elle ait son bac, ou dois-je m'en abstenir? Barakallahu fikoum, Cheikh. Question de Abu Sulaiman 13. Salam alaikum, Cheikh, qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'il vous ressuscite parmi les pieux, les martyrs et les véridiques.
et sachez que je vous aime, oh Allah. J'aimerais que vous apaisiez mon âme d'un souci, Inch'Allah. Ma question concerne, je viens de commencer une formation qui va durer 2 mois et pour laquelle je dois obtenir un diplôme afin de pouvoir travailler par la suite. La seule crainte que j'avais par rapport à cette formation, c'était de devoir faire sauter, entre guillemets, mon Jumu'ah. Et c'est une chose que je réprouve beaucoup. Malheureusement, lorsque j'ai découvert mon planning, j'ai vu que je ne pourrais participer ni au serment, ni à la prière du vendredi. Cher, quel est le conseil et la solution? Quel conseil et solution me donneriez-vous? Non, donc je finis la question, Inch'Allah, et après Abou Suleiman, tu me préciseras à combien de kilomètres te situes-tu par rapport à ton lieu de formation. Donc, cher, quels conseils et solutions me donneriez-vous? Que dois-je faire? Chaque jour qui passe, je pense à ces deux hadiths qui m'inquiètent. Selon Abu Jahl, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: celui qui n'a pas assisté à 3 vendredis, Allah lui scelle alors le cœur. Rapporté par les 5, Ahmed ibn Majah le rapporté de Jabir ibn Asakan l'a authentifié. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ceux qui négligent la prière du vendredi cessent de le faire, c'est-à-dire qu'ils cessent cette négligence. Sinon, Allah apposera le scellé sur leur cœur et ils finiront par être distraits de sa pensée. Muslim, Abu Daoud, Ahmad, An-Nasa'i, par Ibn Abbas et Ibn Omar. Merci pour votre réponse. Barakallahu fikoum. Donc, je vérifie la distance. Donc, Abu Sulaiman, je vous ai le PV. La distance entre la mosquée la plus proche et le lieu de formation. Combien de kilomètres à peu près? Donc le temps qu'il me réponde, on va donner le micro à Mohamed pour qu'il lit les questions du Inspec. Tfadal, Mohamed. Je pense qu'il vient de répondre. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une pause. Donc, cher, il ne sait pas combien de kilomètres. Il ne sait pas. Il dit, Wallahu a'lam. Il dit qu'il pense qu'il y a une mosquée pas loin. Donc, s'il y a une mosquée pas loin, Wallahu a'lam, ça fait pas 1 kilomètre. Après, il faut savoir ce que ça fait pas loin. Tfadal, Mohamed. Donc pour les personnes qui sont connectées sur InSpeak, l'ami, est-ce que vous pouvez diffuser le son sur Paltalk, sur la ronde en islam? Donc, cher, la question, c'est la question de Abdul Wahab. Assalamu alaikum, cher. Allah vous récompense et vous protège ainsi que votre famille. Amen. Il se demande si elle part en voyage avec son mari et sa mère. Est-ce que son mari peut être un mahram pour sa mère durant le voyage? Barakallahu fikum. Question de Zakaria 72. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense par son paradis. Le frère demande qu'en est-il si une personne et une certaine peur des djinns. Cette peur n'est pas très forte, mais il n'y a pas un jour sans que le frère aborde au moins une fois le sujet en sachant des réponses pour se réconforter. Il a lu dans un livre de Aqida que cette peur était du shirk. Pouvez-vous nous éclairer sur cette forme de shirk? Et si c'est
c'est mineur ou majeur, que lui conseillez-vous, cheikh? Barakallahu fikoum, cheikh. Assalamu alaikum. Wahayak, akhi. Tafadal, cheikh. Non, comme j'ai dit tout à l'heure que le son était mauvais chez Ah Mohamed, c'est pour ça que je n'ai pas compris la cinquième question. Est-ce qu'il parlait de djinn ou non? Est-ce que tu as dit qu'une personne avait un djinn ou j'ai pas bien entendu? Tafadal. Même cher, la question elle porte bien sur le djinn. Je vais vous la redire, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense par son paradis. Un frère demande, connaît-il si une personne a une certaine peur des djinns? Cette peur n'est pas très forte. Il n'y a pas un jour sans que le frère aborde au moins une fois le sujet en cherchant des réponses pour se réconforter. Il a lu dans un livre de l'Aqida que cette peur était du shirk. Pouvez-vous nous éclairer sur cette forme de shirk? Et si c'est mineur ou majeur, et que lui conseillez-vous, shirk? Barakallahu fikoum, wa salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت في صوت الحمد لله. Bon, pour les enfants qui jouent au football, etc. Nam, je dis la règle en général, et apprenez cette règle inshallah ta'ala. Quand par exemple deux équipes, ou là, disons deux personnes, ou là, disons deux adversaires, par exemple, se disputent une chose, que ça soit quel est le meilleur, yani la meilleure équipe, si c'est deux personnes, quel est le meilleur, par exemple, judoka des deux, qui va faire tomber l'autre, quel est le meilleur, celui qui court le plus que l'autre, ou, non, comme ça. Si c'est comme ça, il y a deux adversaires, non. Si les deux adversaires posent par exemple de l'argent ou bien n'importe quoi, un livre, ou là ils disent, nam, celui qui va gagner va le prendre. Vous comprenez? Ils vont par exemple mettre de l'argent. Les deux vont mettre de l'argent. Ensuite, ils disent on va acheter quelque chose et celui qui va gagner va prendre cette chose. Dans ce cas, ça devient haram, ça devient de la loterie. Pourquoi? Parce que les deux ont
comment qu'on dit ça, disons, ont ramassé de l'argent, ou là, comment qu'on dit ça. Ensuite, Naam, ils ont participé les deux, et ils ont acheté une chose pour le gagnant. Dans ce cas, ça devient haram. Pour que ça devienne halal, il faudrait ou bien l'un des deux adversaires, seulement lui, hein, dise à l'autre, voilà, par exemple, viens, on va jouer, si tu me gagnes, Naam, je te donne 100 euros. C'est un exemple. Ou bien il achète quelque chose, il lui dit, si tu me gagnes, je te la donne. Ça, c'est le premier cas. Dans ce cas, c'est permis. Le deuxième cas, où c'est permis aussi, si les deux, par exemple, vont jouer, et c'est un troisième, c'est un spectateur, par exemple, ou un étranger qui dit, si l'un de vous, par exemple, jouer, si l'un de vous gagne, Naam, je vais lui donner telle chose. Telle chose, par exemple, au gagnant, et par exemple, moins que cela, par exemple, à la deuxième partie. Par exemple, c'est un exemple, comme dans le cas ici de la sœur. Donc, si ce sont des étrangers qui disent, par exemple, faites la course, et celui qui gagne, qui va être le premier, on va lui donner telle chose. Le deuxième, on va lui donner telle chose. Et comme ça, ça c'est permis. Mais si c'est l'argent ou la récompense vient des deux joueurs, des deux équipes, dans ce cas, c'est interdit. Inch'Allah ta'ala que j'ai été clair. Sinon, yani, j'en reparlerai Inch'Allah ta'ala la prochaine fois. Pour la personne qui a dit pour la formation Jumu'ah, etc., Naam, je lui dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup essayé de plusieurs fois de chercher une fatwa qui permettrait, par exemple, à une personne de ne pas faire salat Jumu'ah. Naam, j'ai pas trouvé. Wallah, j'ai lu beaucoup de fatwas des grands savants. Tous ils disent. Ils disent que Jumu'ah, si Jumu'ah, il ne faut pas la rater. Et moi, bien sûr, j'ai dit, sauf s'il était bien sûr loin, comme à 7 km là. Pourquoi ? À cause du hadith. Il y a un hadith du prophète sallam où il dit que, yani, en ce sens, et j'essaie d'expliquer en français, il dit, yani, j'espère que, yani, attendez, comment il a dit ça ? J'espère que l'un de vous ne sera pas loin de la Jumu'ah à une distance de 1 mille. Yani, en arabe, il dit mille. Mille, c'est, vous savez, en français ou là en anglais, mille, c'est, je crois que c'est, on dit mile, Allah alam, c'est, yani, 1 km 740 à peu près, presque 2 km. Ensuite, il a dit, il ne va pas venir au Jumu'ah. Ensuite, il a dit, j'espère qu'il ne sera pas à 2 mille, comme ça. Ensuite, il a cité à 3. Il a dit, maintenant, s'il est à 3 mille, comme ça, il ne va pas venir à la Jumu'ah, Allah Ta'ala lui fera telle et telle chose. Naam. Et si on va compter 3 mille hada, le mile hada, 3, naam, si on va dire que le mile hada, c'est presque 2 km, ça donne combien? Ça donne 6. Ça donne 6 km. Yani que, maintenant, s'il dépasse 3 mille hada, il peut ne pas venir à la Jumu'ah. Mais s'il est moins de 3 mille, on va dire que le mile hada, c'est à peu près 2 km. Donc, dans ce cas, il doit aller à Salat al-Jumu'ah. Naam. Pour la sœur qui a dit que si elle devait aider une autre sœur pour lui trouver un stage, etc., mais si elle va lui trouver ce stage, la sœur, donc, elle sera obligée d'enlever le hijab pour passer ce stage. Là, je lui dis que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Dans ce cas, elle n'est pas obligée de l'aider. Parce que en l'aidant ici, automatiquement, elle va l'aider aussi à enlever son hijab. Et yani, pour dire la vérité, on va être franc, yani, le stage hada, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas si elle ne va pas le faire qu'elle va avoir des péchés. Naam, la licence, le bac, ce ne sont pas des obligations yani, pour lesquelles je vais faire des péchés. Donc, maintenant, si elle va l'aider pour qu'elle prenne avec elle des péchés, pour l'avoir incité indirectement à enlever son hijab, dans ce cas, il ne vaut mieux pas. Sauf, bien sûr, je vais dire maintenant, sauf si c'est quoi? Sauf si c'est vraiment yani, daroura, et que en enlevant le hijab, elle va mettre quelque chose qui prend, par exemple, yani, disons, qui a les mêmes caractéristiques du hijab. Par exemple, elle va se cacher yani, tous ses cheveux. Elle va cacher yani, ses
ses bras, elle va cacher son cou avec quelque chose. Elle va mettre une tunique vraiment qui descend en bas. C'est juste pour yani, passer yani, cette étape yani, vraiment yani, difficile. Mais si elle va enlever carrément comme ça, yani, il vaut mieux ne pas l'aider, mais sans lui dire je veux pas t'aider, etc. En cherchant des excuses pour s'éloigner de cette chose. Non. Pas qu'elle dise elle veut pas m'aider ou là elle me déteste, je sais pas quoi. Le mohim. Pour la femme qui va voyager avec le mari de sa fille, elle peut, parce que le mari de sa fille c'est un mahram. Le mari de la fille qui a consommé le mariage avec sa fille devient un mahram pour ceux et celles qui ne savent pas. Même si jamais, un jour, il va divorcer sa fille, subhanallah l'adim, il va toujours rester son mahram et ne peut jamais épouser la mère de sa fille et pourra toujours voyager avec elle et pourra l'embrasser quand il la rencontre ou la lui serrer sa main ou là. Non, pourquoi? Parce que il est devenu un mahram à vie après avoir consommé le mariage avec sa fille. Enfin, pour la peur des djinns, etc., je lui dis que ce que tu as lu dans la Aqida, que celui qui a peur des djinns rentre dans le shirk, tu l'as pas bien compris en fait. Car avoir peur d'un djinn, une peur naturelle, c'est permis. C'est comme j'ai peur d'un serpent. C'est comme j'ai peur d'un lion. J'ai peur d'un tigre. Comment maintenant j'ai pas peur d'un djinn qui, subhanallah l'adim, est rentré en moi et m'a possédé? Comment j'ai pas peur? J'ai peur. C'est une peur naturelle. Mais ce qui est interdit, ça rentre dans le shirk, c'est d'avoir peur d'un djinn au point de lui demander, par exemple, quoi? Lui demander, par exemple, qu'il m'aide et de lui demander, par exemple, comme on fait les kofars autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voyageaient, dès qu'ils arrivaient à un endroit comme ça, un oued, par exemple, une rivière, ou là, ce qu'on appelle en arabe l'oued, comme ça, où ils vont déposer leur tente, qu'est-ce qu'ils disaient? Au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection, comme nous on dit, a'udhu bi kalimat lahi tamma, par exemple, min sharri had al makan, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils commencent à lever les mains et dire, oh vous, sans les voir. Yani, on se réfugie auprès des djinns de cet endroit. On se réfugie auprès des djinns qui possèdent cet endroit pour qu'ils ne nous fassent pas de mal. Au lieu de se réfugier auprès d'Allah, ils se réfugient et demandent protection auprès des djinns. Allah Ta'ala dit, alors, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ إِنْسٍ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il leur en fait encore plus peur. Et c'est aussi un châtiment d'Allah. Tu laisses Allah Ta'ala pour te réfugier auprès de lui. Tu vas te réfugier auprès d'un djinn. Allah Ta'ala va donner le châtiment que ce djinn va te faire encore plus peur. Non, qui t'en faisait yani, dans les jours habituels. Donc c'est pour ça que je dis à la personne, si elle a peur de ce djinn, naam, une peur naturelle, et qu'elle fait des efforts pour le faire sortir, naam, et yani, afin qu'il quitte cette personne, naam, en faisant la ruqya, en revenant vers Allah, etc., ce n'est pas grave, ce n'est ni un shirk ni un péché. Mais si maintenant elle a peur de ce djinn, une peur qui n'est pas permise, yani, en lui demandant yani, des choses seul peut Allah Ta'ala peut donner dans le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tafadhal. Non, donc on va passer aux questions suivantes, inshallah. Question de Abdullah 111. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde et guide tous les musulmans. Pouvez-vous m'expliquer le verset suivant? Il lui aurait insufflé de mon esprit. Surat Sad, verset 72. Question de Youssouf. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exemple. 10 000. Et qu'elle a 5 enfants.
deux garçons et trois fils. Comment se passe le partage? Question de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Quel est le livre le plus compte sur les groupes contemporains? Point tekfiri, etc. En langue arabe. Jazakumullah khairan. Akh Mohamed Fadal, inshallah. Question de Oum Hasna. Salam alaikum Cheikh. Nahayakum Allah. Je voulais que vous nous expliquiez ce qu'est la rachwa, donc pot de vin. Est-ce que si je donne de moi-même de l'argent au douanier pour pas qu'il m'embête, est-ce la rachwa? Ou alors si c'est lui qui me l'impose, c'est la rachwa? Et donc par rapport à l'histoire du Jumu'ah, donc c'est pour un pays musulman, pour un pays musulman et non musulman. Donc question de Oum Qasim. Salam alaikum Cheikh. Inch'Allah, nous allons avoir un garçon dans quelques semaines. Je souhaite lui faire la circoncision quelques jours après la naissance. Et j'ai lu que le 7e jour était une ressemblance envers les juifs. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à Hassan et le Hussein le 7e jour, que me conseillez-vous? Barakallahu fik. Fadal Cheikh. Afouane Cheikh, juste une chose avant de vous répondre. La dernière fois, je vous avais posé une question d'une personne et en fait, vous avez oublié de répondre. Et à cette personne, je lui avais dit qu'elle reviendrait me voir en PV, je la ferais passer sa question. Car la question, je l'avais déjà lue, et vous aviez oublié tout simplement de donner la réponse. Donc je fais passer sa question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaus, ainsi qu'à toutes les personnes présentes sur cette room. Ma question est, je suis coiffeuse, et j'aimerais proposer un nouveau produit à mes clientes. Ce produit consiste à soigner le cheveu et le lisser pendant 3 mois. Le cheveu est réparé, mais n'est plus bouclé pendant 3 mois. Ce produit est-il autorisé dans la religion, en sachant que la texture du cheveu changera? Les accommodements khairan pour tous vos efforts. Tfadal Cheikh. Pour le verset, si tu peux me dire c'est quel verset, comment qu'il commence en arabe. Ensuite pour l'héritage, si tu pouvais répéter la question de l'héritage. Ensuite, est-ce qu'il a posé la troisième question, est-ce que c'était quel est le livre le plus complet sur les sectes? Est-ce que c'est ça, inshallah ta'ala, quel est le livre le plus complet sur les sectes? Surat Sad, quel numéro? Numéro du verset. Non, mon cher. Donc, pour l'héritage, il a dit par exemple, et donc, Allah rahma, c'est sa belle-mère, elle est décédée. Il a dit, donc par exemple, si elle laisse un héritage de 10 000 euros, donc si elle laisse une somme de 10 000 euros et qu'elle a 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, comment s'effectue le partage de cette somme? Et à la fin, vous m'aviez demandé une troisième chose, je me rappelle plus, cher. Vous m'aviez demandé le verset, l'héritage, et la troisième chose, c'est sur le livre des groupes, des sectes. Donc il a dit le livre le plus complet sur les sectes.
en langue arabe. Tfadal, cher. Attendez, Inch'Allah Ta'ala, je vais voir le verset 72. C'est quel verset, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. On va laisser inchallah le verset pour comme dernière question. Pour l'héritage, quand on laisse des enfants, non, quand on laisse des enfants, comment qu'héritent les enfants? Si par exemple on a pas laissé par exemple de père, par exemple une femme est décédée, n'a pas laissé de mari. Donc, l'héritage va aller seulement aux enfants. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Si la belle-mère qui a été décédée n'a pas laissé, bien sûr, de mari, qu'elle a laissé seulement des enfants, des garçons et des filles, qu'est-ce qu'on va faire? L'héritage, on va le partager entre garçons et filles en donnant le double aux garçons. Comment qu'on fait, par exemple? Je vous donne un exemple là, pour que vous compreniez. Par exemple, disons, supposons que une mère meurt, il laisse par exemple deux enfants, et il s'est divorcé, mais qu'est-ce que je m'occupe? Donc, supposons que une mère meurt, et elle laisse par exemple deux garçons et trois filles. Supposons. Ou la Khadi, je prends son exemple à elle. Dis-moi combien qu'elle a laissé de garçons et de filles. Dis-moi combien elle a laissé de garçons et de filles. J'attends, Inch'Allah, ta réponse. Trois filles. Et deux garçons. Ahsant. Trois filles et deux garçons. Non. Comment qu'on fait quand c'est des garçons et des filles? Comment qu'on fait? On compte toujours les garçons le double, c'est-à-dire on va dire ici 4, puisque ce sont des garçons, on va compter qu'ils sont 4. Et 3 filles, ça donne combien? Ça donne 7. Ça fait combien qu'on a? On a 7. Ensuite, comment qu'on fait? On divise l'argent sur 7 pour être, par exemple, pour que le partage soit facile. Supposons qu'on prenne par exemple qu'il y a 70. Comme ça, c'est difficile, c'est facile à partager la division par 7. Supposons 70 euros par 7. Combien ça donne? Ça donne 10. 10 euros. Ça? Et donc on a 7. Nam, 7 parts. Chacun va prendre 10. Comment qu'on va faire? Donc le garçon prend le double, ça fait 20. Non, les deux garçons vont prendre 20-20, ça fait 40. Et ça reste combien? Ça reste 30. 10 euros pour une fille, 10 euros pour une fille, 10 euros pour une fille. Voilà comment qu'on fait. Toujours, le nombre, on le multiplie par 2. Si ce sont 4 garçons, on compte 8. Ensuite, 8 plus le nombre de filles, si elles sont 4 filles. Par exemple, ça fait 12. Et ensuite, on divise le nombre d'argent par 12, par exemple. Ensuite, on donne le double au garçon. Donc ici, on a deux garçons. On va les compter comme quoi on a 4 garçons plus 3 filles. Ça fait 7. On divise le nombre d'argent par 7. Et on donne le double au garçon. Il demande s'il faut enlever les frais de l'enterrement dans l'héritage. Bien sûr, on commence d'abord par enlever les frais de l'enterrement. Ensuite, on enlève les frais des dettes. Est-ce que cette personne qui est morte a laissé des dettes?
on enlève aussi les frais de la zakat. Peut-être que cette personne n'a pas donné la zakat cette année. On lui enlève la zakat. Ensuite, on divise entre les enfants, comme on a dit. D'ailleurs, ensuite, pour le livre des sectes, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre sur les sectes. Le meilleur que j'ai lu, hein, ça fait à peu près 20 ans, c'est le livre de, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Salim al-Hilali, vous devez connaître quelqu'un. Il y a un ancien élève de Cheikh al-Albani rahimahullah qui avait écrit à l'époque un livre sur toutes les sectes, hein, qu'est-ce qu'elles ont de positif et négatif. Mais peut-être que de nos jours, il y a sûrement un livre qui est mieux, mais je n'ai pas ici dans la tête un livre. Je n'ai pas dans la tête. Mais celui-là, il y en a autrefois, il m'avait plu. Non, pour le pot de vin, etc., rechoua. Rechoua, c'est tout ce qu'on donne. La définition de la rechoua. Non, c'est tout ce qu'on donne. Comment on dit d'abord rechoua en français? Rappelez-moi comment on dit rechoua en français. Moi, je suis en train de... Bon, pot de vin, c'est un peu... Il y a des péjoratifs, mais il y a un autre mot. Il y a un autre mot pour la rechoua. Je le connaissais, je l'ai oublié. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit rechoua? Là, je l'ai oublié. El Mohim. Maintenant, on dit pot de vin pour garder le fil. C'est ce qu'on donne comme argent ou bien cadeau à quelqu'un pour nous donner une chose qui n'est pas notre droit. Comme ça disent les savants. Il y a quelque chose qui n'est pas ton droit, elle va faire, cette personne va faire pour qu'elle devienne ton droit. Non. Dessous de table. Non, mais il y a quelque chose qui est plus clair. Mais je vous le dis, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Dans le prochain dans, après moi, je vais vous le dire, Inch'Allah. Donc, c'est ce qu'on donne. Les tahqiq et batil, ou, yani, ibtal et haq. C'est ce qu'on donne pour faire tomber un droit, ou bien pour faire valoir, yani, quelque chose qui n'est pas un droit. Si on donne quelque chose pour faire valoir quelque chose qui n'est pas un droit, ou bien faire tomber un droit, ça devient un choix. Je vous donne un exemple. Par exemple, disons, il y a un quota de voitures. Non. Ils sont arrivés et chaque voiture, par exemple, a son nom. Une voiture, par exemple, pour X, pour Y. Maintenant, moi, j'ai pas le droit de prendre une voiture. Il y a aucune voiture en mon nom. Je viens, je donne, yani, au responsable un peu d'argent ou là un cadeau là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une de ses voitures. Qu'il a fait, donc il a pris le droit d'un dessous de table. Ça s'appelle rechoua, ça s'appelle haram. Quand est-ce que ce n'est pas rechoua et c'est permis? Quand c'est mon droit, quand on veut me l'enlever. Dans le cas que je viens de citer, une voiture est venue, les voitures sont venues. L'une des voitures est en mon nom. C'est moi qui dois la prendre. Et maintenant, avec du piston et je ne sais pas quoi, on va me l'enlever pour la donner à une autre personne. Et maintenant, moi, je vais donner au responsable. Il va me dire, si tu ne me donnes pas, yani, on ne peut pas te donner ton droit. Ou là, je sens qu'il veut prendre de l'argent. Là, vous comprenez? Ici, je lui donne ici. Pour qu'il me donne mon droit, ma voiture, dans ce cas, ce n'est pas un pot de vin. Et le grand compagnon, radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, on l'a emprisonné quand il est parti en Éthiopie. Et on l'a emprisonné, il a donné au gardien 2 dirhams. Il l'a fait sortir. Il a donné au gardien 2 dirhams et le gardien l'a fait sortir. Pourquoi? Parce qu'on l'a emprisonné, yani, sans qu'il le mérite. Donc, il a donné 2 dirhams, c'est pas pour yani, enlever un haq, mais pour faire valoir son droit. Donc, inshallah, vous avez compris ce que c'est la rachoua. Pour le Jumu'ah, pour la Jumu'ah, là, justement, moi, ce que j'ai lu, c'était dans les pays qui ne sont pas musulmans. On a posé des questions à Cheikh Ben Bez, etc. On lui a dit, pays kofar, etc. Il a dit, il doit faire la Jumu'ah, comme ça. Il doit faire la Jumu'ah. Wallahu alam, si je trouve, inshallah, une permission sur ça, la Jumu'ah, yani pour un pays de kofar, inshallah, je vous la dirai. Pour la circoncision, le 7e jour, je lui dis, il n'y a pas quelque chose d'authentique que le prophète a circoncis le Hassan ou le 7e jour.
Non. Le muhim, il faut les circoncire, ou les circoncrire, ou là, comment on dit, avant qu'ils ne deviennent quoi? Qu'ils ne deviennent pubères. Mais je conseille à cette personne, hein, de faire la circoncision, par exemple, le premier mois, pas spécialement le septième jour, hein, le sixième jour, le huitième jour. Pourquoi spécialement le septième jour? Hein. Maintenant, si tu le fais le septième jour, avec aucune ressemblance, c'est pas parce que les juifs le font ou là, mais parce que yani, le septième jour, tu vas faire la haqiqa. En même temps, tu vas profiter pour yani, le circoncire. Inch'Allah ta'ala que c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Enfin, pour le verset 72, naam, qui dit dans Sourate Sad, il dit quoi? Il dit, attendez, je le cherche, 72, 72. فَسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler aux anges, et il y avait aussi le shaitan avec eux qui était présent. Allah ta'ala a dit à tout le monde, il leur a dit, en parlant de Adam, quand il va prendre vraiment sa forme, et je vais insuffler de mon âme en lui, en Adam, alors faites-lui une prosternation bien sûr, de, c'est-à-dire la révérence, de salutation. Et ce n'est pas yani, pour lui, mais pour Allah Ta'ala. C'est-à-dire, on l'a fait à Adam, mais c'est parce que Allah Ta'ala nous a donné un ordre. Donc, désobéir et ne pas vouloir faire cette prosternation, cette révérence, c'est désobéir à Allah Ta'ala, car c'est Allah qui a donné cet ordre. Al-Muhim, le plus grave ici, le plus important, c'est de savoir quoi. Quand il a dit, quand je lui insuffle de mon âme, c'est quoi de mon âme ici? Certains ignorants, si je puis dire, ou là certains soufis, ou là certains égarés, ou là, ont cru que de mon âme, ça veut dire comme moi, mon âme qui est à l'intérieur de mon corps, la même chose pour Allah. Que Allah Ta'ala lui a donné de son âme qu'il a en lui. Comme ça, ils ont compris le verset. Et même moi, une fois, j'ai entendu quelqu'un expliquer comme ça le verset. Alhamdoulilah, je lui ai compris qu'il s'était trompé, etc. Al-Muhim. Ici, de mon âme, c'est pas ça le sens du verset. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Tellement c'est important. Dis-moi ce que vous m'entendez. Naam, Muslim. Alhamdoulilah. Donc je disais, naam, de mon âme ici, qui en moi, on n'a jamais dit que yani, on est en train de parler de l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais yani, de mon âme, ça veut dire de l'âme que j'ai créée, que, yani, qui m'appartient, si je puis dire. Naam. C'est comme je dis par exemple, Allah ta'ala va dire, je lui ai donné de mes biens. Ça veut pas dire que les biens sont en lui, de mes montagnes, hein, de ma maison, sa maison qui est la Kaaba, de mes cieux, de mes terres, de mon vent, de mes étoiles. Vous comprenez? Ça veut dire des choses que j'ai créées. Ça veut dire j'ai insufflé en Adam de mon âme, ça veut dire de l'âme que j'ai créée, mais c'est pas l'âme qui est en moi. Si tu vas dire que c'est l'âme qui était en Allah, ça veut dire que Adam et nous aussi. Ses enfants, ça veut dire que nous avons quelque chose d'Allah en notre intérieur. Alors ça, c'est vraiment un bida, c'est vraiment un coffre, c'est vraiment un soufisme égaré. Mais ici, mon âme, ça veut dire de l'âme que j'ai créée, comme de mon bien, de mon soleil, de ma mer, la mer, naam, de mes montagnes. Allah Ta'ala a créé une âme et il a insufflé à Adam de l'âme de qui? Il a insufflé de l'âme des anges, de l'âme du shaitan. Il a insufflé l'âme d'Allah, l'âme que Allah Ta'ala a créée. Il l'a prise et il l'a insufflée en Adam alayhi salam. Voilà, inshallah ta'ala, la vraie traduction du verset, ce que disent Al-Sunnah al-Jama'a, contrairement aux sectes égarées. Il est 23h passées, je dois, inshallah ta'ala, partir. Si Allah Ta'ala le veut, on va se rencontrer samedi, bi'idna ta'ala. Si vous ne me voyez pas connecté samedi, ce sera pour le cours de lundi, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته